Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans ce visio-cours qui vous est proposé sur Teams d'une part avec la qualité que l'on connaît à Teams et je vous donne aussi le lien YouTube pour ceux qui ont un client YouTube qui est de qualité supérieure, smartphone ou autre type d'appareil. Bonjour jeune homme, bonjour mademoiselle, bonjour jeune homme, bonjour jeune homme, bonjour mademoiselle. Alors, la qualité sur YouTube laisse à désirer, Teams laisse à désirer. Et comme je vous disais, je n'ai pas trop de liberté pour influencer Microsoft. Je vous rappelle que Teams est une plateforme qui est proposée par Microsoft, mais c'est une plateforme qui est complètement fermée en termes de, gestion technique. On n'a que la souris pour cliquer, comme vous le faites par vous-même. Et donc, effectivement, je vois que les images, de temps en temps, basculent. Voilà, bonjour à tous et bienvenue sur le visio-cours. Je viens de donner le lien YouTube de telle manière à ce que vous puissiez suivre aussi sur YouTube. La qualité est beaucoup mieux sur YouTube. Et comme je disais à l'instant, mais vous ne m'entendiez pas, je n'ai pas de marge de manœuvre pour régler quoi que ce soit sur Teams. Donc de temps en temps, oui, l'écran vert, justement, alors, je vais remettre le lien YouTube, puisque là-bas sur YouTube, non seulement il n'est pas vert, mais en plus, la netteté est largement supérieur. Sans compter que si vous avez un smartphone avec le bon format ou bien un ordinateur avec la bonne carte graphique, la bonne carte réseau, à ce moment-là, vous pouvez choisir par vous-même, vous avez plus de latitude pour choisir le nombre de pixels et la qualité de l'image que vous avez envie de visionner. Alors, tous les formats sont disponibles sur YouTube, justement, avec une résolution qui peut monter jusque 1920-1080 à 30 images par seconde. De toutes les manières, concernant Teams, on s'est aperçu déjà que la qualité n'est pas stable, de temps en temps l'image n'est pas verte si je puis dire et de temps en temps l'image est verte ou autre défaut sans qu'on puisse ni de votre côté ni du mien pouvoir intervenir. Je n'ai que des options avec ma souris pour cliquer. Paf, ça reste pas 2 secondes. Pas encore, jeune homme. Oui, mademoiselle. Pas encore, elles vont arriver un peu plus tard. Voilà, on va continuer, s'il vous plaît. Intégrale et primitive. On va reprendre ce sur quoi on s'est arrêté. Oui, tu me le rediras
jeune homme, tu me rediras pour ton voisin dès que j'appelle son nom. Dès que j'appellerai son nom, tu me le rediras. Alors peut-être que, justement, puisque tu me dis que tu as ton voisin qui est à côté de toi, on va peut-être directement faire l'appel, puisque là c'est relativement net concernant les noms de famille, ça devrait passer rapidement. Alors la procédure va être la suivante. Ce que je vois de manière nette, ça veut dire qu'il passe directement d'un ordinateur à l'autre et que je dis moi-même présent, c'est pas la peine d'intervenir sur le chat, je vous ai noté présent. Ceux sur qui j'ai un doute, ou bien ceux qui sont les voisins de certaines personnes que je ne vois pas dans la session des participants, alors je demanderai, et là-dessus, vous me répondez, enfin, vous écrivez la bulle de chat en disant, monsieur un tel ou mademoiselle une telle travaille à côté de moi, et vous dites qui vous êtes, bien sûr. Parce que moi, je ne vois que des initiales. On y va. Donc, Alexandre Valentine, présent. Aydemir Younous. Donc, j'ai besoin de connaître les informations sur Aydemir Younous. Aydemir Younous, noté. Belhassen Imran, présent. Benhamou Jérémy, présent. Benhamou Giovanna, présent. Berton Guillaume, présent. Boukriz Fadwa, présent. Da Shadé Mahan, présent. Dardouri Soufiane, présent. Dumé Mélanie, présent. Doraï, je n'ai pas d'informations sur Doraï. Marqué en rouge sur École Directe d'ailleurs. Donc j'attends information sur Doraï. Est avec moi Paolini Emma. D'accord, super. Donc, ok. Maintenant, je passe à Doraï. J'ai besoin d'informations sur Doraï, qui est marqué en rouge d'ailleurs. Notée absente. Jérémy, elle travaille pas avec toi? Ok. Dumé, Mélanie, présente. Fachin, Enzo, présent. Fala, Seklari, Amine, présent. Amine, présente. Guetta. Très bien. Donc, Dora et Chani, notées présentes à côté de Guetta. Fumi, présent. Gerber, Léa, présente. Grasser, William, présent. Guetta, Odélia, présente. Osdez, Marie, présente. Il me manque Coelho Irina. Avez-vous des informations sur Coelho Irina? Très bien. Avec Alexandre Valentin. Très bien. Donc, Coelho Irina, présent. Moumeka Rifa, présent. Waknin Jérémy, présent. Paroline Emma, présent. Shwaiza Lisa, présent. Sylvestre, ça c'est nickel. Quand vous le faites correctement, vous n'avez pas idée comment ça passe directement d'un logiciel à l'autre. Ensuite. Alors, Trindelet Julien, on m'a donné un message qu'il travaille à côté de. Voilà. Merci, Enzo. Très bien. Toumbak, Chalva. Toumbak, Chalva. Ah, elle est aussi avec toi, Guetta, Odélia. Et Usan, Yehuda. Vona, Roxane, présente. Et Wolfried, parfait. C'est vraiment top. Je vous félicite. Oui, ça y est, moi, l'appel est effectué. Comme je répète ce que j'ai à dire, je sais très bien, je connais la qualité de Teams, je connais la qualité de YouTube et je connais sur quoi je peux intervenir. Lorsque vous avez des images qui sont vertes ou d'une autre couleur ou des défauts dans ce style-là, je ne peux pas intervenir, je ne peux intervenir que sur les images que je produis. Les images que je produis sont de qualité supérieure puisque justement, avec YouTube, elles sont injectées directement sur les plateformes de Google. Et elles sont rediffusées par là-bas dans la qualité où je les ai mises. Donc, à partir de là, si vous voyez des défauts sur Teams, vous êtes libre de quitter Teams. Vous pouvez utiliser Teams pour les bulles de chat. Oui, il n'y a pas de problème. Tu peux aussi couper le son. Quand vous avez un ordi ou bien un smartphone avec deux applis, les deux applis, vous avez la possibilité dans votre mixeur
Oui, jeune homme usant, j'ai bien noté. Oui, jeune homme usant, j'ai bien noté. Mais finalement, tu es présent ou tu es absent? Ça veut dire que tu es venu juste au début de l'heure, c'est ça? Jeune homme usant. Yehuda, tu vas donc être obligé de... Ah, d'accord. Très bien, jusqu'à 17h. De toute façon, la séance aujourd'hui, de manière exceptionnelle, s'arrête à 17h10. Donc, nous allons... Donc, tout le monde est présent, ça. D'abord, un, ça, je tiens à vous féliciter. Deux, sur Teams, je ne peux pas contrôler la qualité puisque c'est au niveau de Microsoft, des serveurs de Microsoft. Je rappelle que Teams, c'est une plateforme de collaboration qui est gérée par Microsoft en tant que telle. Elle est proposée par les instances du ministère et par l'intermédiaire de l'académie. Ensuite, e-learning, etc. Ensuite, vous êtes bien sûr libre. Si moi, j'émets mes images sur YouTube, c'est bien parce que je sais que sur YouTube, c'est plus facile, merci pour la mention, c'est plus facile de me suivre et c'est plus facile... Ah ouais. D'accord, j'ai compris. C'est plus Monsieur, moi, je me facile. suis abonné à votre chaîne et j'ai mis tout le temps des likes. Oh, qu'est-ce que tu es sympathique. Alors, 2 minutes, Giovanna, 2 minutes. Ouais, c'est ça le problème, c'est que quand la Teams, parce que quand j'augmente la qualité sur Teams, eh ben, y a YouTube qui me crie en me disant que avec un débit, une bande passante, avec une bande passante inférieure, ça suffirait. Donc on voit bien que les plateformes de YouTube arrivent à réémettre des qualités supérieures. 4 500 mètres à 8 000. De toute façon, ça sert à rien parce que on a vu avec vos collègues de BTS OL2 que il y a 2 heures sur Teams, c'était de la même qualité que ce que vous voyez là à l'instant T. Très bien. L'histoire d'avoir les deux sons, bien sûr, parce que vous avez deux applis, vous avez deux applis. Essayez de jongler avec votre mixeur, installer des softs qui vous permettent de gérer quelle appli à la main sur quel haut-parleur, que ce soit un haut-parleur, un mixeur, un écouteur, etc. Tout ça, ça fait partie des gestions standards de votre station de travail. Alors nous allons reprendre, s'il vous plaît, avec vous les jeunes de BTS. Avec vous les jeunes de BTS OL1, nous sommes le jeudi 10. Nous sommes le jeudi 10 décembre 2020 et on est loin d'avoir terminé la leçon sur les intégrales et primitives. Et donc nous devons passer en revue les autres propriétés. Je vous invite à récupérer ce que l'on a fait la semaine dernière. Le but de la leçon sur les intégrales et primitives est de calculer des surfaces. Nous avons donné, et j'espère que vous l'avez sous les yeux, le tableau des principales primitives. Nous avons énuméré les primitives du cours. Bien sûr, il faut les retenir, les apprendre par cœur. Nous avons travaillé sur les primitives un petit peu nouvelles par rapport à la classe de terminale, notamment la primitive de lnx qui vaut x lnx moins x. Et nous allons poursuivre peut-être le remplissage de ce tableau, comme d'habitude, en laissant du blanc
en laissant du blanc en fin de tableau. Donc, autant que faire se peut, on va poursuivre le remplissage de ce tableau qu'on n'avait pas terminé. Le tableau où la première colonne est la fonction et la deuxième colonne est la primitive. C'est un tableau à connaître par cœur, à l'instar du tableau sur les dérivés. Nous avons donné les primitives de cosinus et de sinus comme marqué à l'écran. La primitive de cos, c'est donc sin, puisque la dérivée de sin, c'est cos. La primitive de sin, c'est moins cos, puisque la dérivée de cos, c'est moins sin, et il faut équilibrer le signe moins. Ensuite, ne pas oublier, s'il vous plaît, de diviser par oméga. Au passage, oméga s'appelle la pulsation. Phi s'appelle le déphasage. Donc vous avez déjà vu ce genre de lettres grecques. Je rappelle qu'il faut avoir à côté de vous, dans votre page de garde, la liste de l'alphabet, de lettres de l'alphabet grec minuscule et majuscule. Ceci n'est pas une innovation. On connaît déjà oméga. La lettre en forme de W s'appelle oméga, c'est oméga minuscule, qui représente ce qu'on appelle une pulsation. Qui sait pourquoi ça s'appelle une pulsation? Pulse. Pourquoi ça s'appelle une pulsation? Qui a déjà vu ce truc-là de cosinus oméga t moins phi, ou plus phi, peu importe, que oméga c'est une pulsation et phi c'est un déphasage, comme son nom l'indique, phi phase, moins phi, déphasage, tu es déphasé, tu es en retard, tu es déphasé. Tu as perdu ta phase. Alors, qui a déjà vu ces appellations, s'il vous plaît, dans les classes antérieures, notamment en terminale? Qui c'est qui a vu ces appellations, s'il vous plaît? Monsieur, je quitte Teams, je vais sur YouTube. Ouais, laisse tomber Teams, là, ça devient un délire, ce Teams, là, de Microsoft. Ouais, c'est grave, c'est horrible, c'est incroyable comment ils proposent des... Avec ça, c'est Microsoft, quoi, ils sont toujours dans le délire, ces gens-là. Grave, c'est horrible. Mais c'est incroyable. Je suis d'accord. C'est incroyable. Alors que YouTube, je veux dire, tranquillement, tu vas sur YouTube, tu es tranquille, là-bas, je vois la diffusion, puisque j'ai un retour image sur le lien que je vous donne. Et donc, c'est incroyable. Hein. Avec ça, c'est préconisé par le ministère et par l'académie. Et par nous, on est obligé. Enfin, nous, ça veut dire l'ORT est obligé de suivre. Est obligé de suivre les plateformes là-bas, It's Learning, etc. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, incroyable. Incroyable, parce que le problème, c'est que dans les autres lycées, on utilise CNET.fr et CNET.fr, c'est aussi le même délire. Donc entre CNET.fr, Teams et tout le Bataclan, si j'allais dire, ça fonctionne pas, c'est pas fonctionnel, c'est pas. Alors que c'est ce qui est dingue dans cette histoire, c'est que la semaine dernière pour vous en BTS ou L1, ça marchait, c'était nickel. Oui, c'était nickel. C'était nickel. Teams la semaine dernière était nickel, cette semaine c'est pas nickel, ça. C'est incroyable. Donc, justement, c'est pour ça que moi, je fais une multidiffusion. Là, ici, je suis en multiplex dans mon studio. Et donc, au même moment, ça, vous essayerez de vous poser la question comment ça fonctionne, pour ceux qui font un peu de broadcast. Au même moment, vous avez les images qui vont dans tous les sens. Et carrément, surtout, en studio, monsieur. Bah, tu as bien vu que... Mais tu n'as pas vu que le micro... Hein? Tu as compris? Tu as compris à qui tu as affaire. Maintenant, tu as compris. Encore, ça c'est que un petit peu ce que tu as vu, c'est juste un petit peu. Mais tu sais, je sais que tu t'es renseigné. Ok. Alors, bien sûr, tu peux y aller, mademoiselle, tu peux y aller, Giovanna, sur YouTube et là-bas. D'accord. Sans peine, que ce soit avec un ordinateur ou avec un smartphone, il n'y a aucun problème pour suivre et l'image et le son. Ok,
Ok, j'ai laissé un pouce bleu. Ok, super. Ah oui, alors Oméga et Phi quand même. Qui c'est qui a vu Oméga et Phi, s'il vous plaît, dans les années antérieures? J'ai besoin de savoir, parce que si je vous balance des choses, mais qui vous sont complètement étrangères, c'est un peu difficile. Je vous rappelle que j'ai dessiné une onde. J'ai dessiné une onde. Est-ce que vous faites le lien entre cosinus oméga t moins phi et une onde? Où oméga est la pulsation. Allez, les jeunes, là. Oméga, c'est qui? Phi, c'est qui? Alors, pour vous en convaincre, puisque finalement aujourd'hui nous sommes dans une civilisation où on ne croit que ce que l'on voit, nous disait, j'allais dire Saint Augustin, si je puis dire. Alors, comment ça marche, cette histoire de cosinus oméga t moins phi? Ben, si vous avez envie de vous en convaincre, vous n'avez qu'à taper sur votre Texas Instrument, vous n'avez qu'à taper en Y1 ou F1 dans la touche de la première fonction à dessiner. Dans la touche de la première fonction à dessiner, vous prenez votre Texas Instrument et vous programmez la fonction Y1 égale cosinus, alors vous mettez plus de parenthèses que pas assez hein, dans une Texas Instrument, cosinus de 2 fois, justement nous allons prendre une pulsation à 2, de 2 fois voilà, de 2 fois x, alors un déphasage c'est exprimé en radian. Bien sûr, vous faites passer votre machine, dès qu'on a les cosinus et dès qu'on a les sinus, c'est pas en bac plus 1 que vais vous apprendre à passer en radian. Et donc, vous allez taper ici moins pi sur 4. Voilà, j'aimerais que vous ayez à l'esprit que cosinus de 2x moins pi sur 4, cosinus de 2x moins pi sur 4 n'est rien d'autre qu'un rayon lumineux qui bat à une certaine pulsation. Il y a un rapport entre la pulsation et la fréquence, et qu'il y a un déphasage. Alors, allez-y, là, s'il vous plaît, ceux qui ont la Texas Instrument, on va le faire peut-être sur un autre outil. Pour que vous voyez comment ça se passe. Nous allons le faire dans le langage de programmation que vous connaissez peut-être, qui est le langage Python. Voici. Et nous allons, pour vous, nous allons vous montrer comment dessiner, pourquoi je dis que cosinus oméga t moins phi, file new, on va ouvrir un nouveau fichier spécialement pour mes élèves de BTS OL1. BTS OL1, ben, j'aimerais quand même que vous ayez à l'esprit la notion qu'un cosinus oméga t moins phi, c'est bien une onde, quoi, je veux dire. Vous l'avez vu dans les années antérieures, mais comme je n'ai pas de répondant là, de réponse, alors peut-être qu'il va falloir vous le montrer, si je puis dire. Voici un source, peu importe, on n'est pas là, enfin, quoique Python soit au programme déjà dans les classes de lycée.
on va aller de moins 10 pi. Alors, on a besoin de l'exponentielle, du log. Alors, ça, c'est juste, ça, c'est technique. Si vous avez envie de suivre, ben, c'est très bien. Si vous n'avez pas envie de suivre, ben, c'est très bien aussi, quoique il faille apprendre le Python. Et donc, je vous donne ici, pour ceux qui ont installé Python à la maison, qui est un langage de programmation standard, la manip. Alors, ici, nous sommes le jeudi. Un peu de programmation, hein. Je vous rappelle qu'il peut y avoir des algorithmes, y compris en BTS. Ici, je veux dire, il faut quand même que vous ayez à l'esprit comment cosinus oméga t moins phi est une, correspond à une onde, je veux dire. OK. Nous allons tracer, donc, de moins 10 pi, de moins 10 pi à 10 pi, nous voulons tracer NP cosinus de oméga, on va l'appeler oméga t, donc c'est t min et t max, BTS OL1, la fonction cos, NP cos oméga, oméga t, on a dit moins phi, avec oméga qui va valoir 2 par exemple, et phi qui va valoir moins pi sur 4. Le cosinus, je vous rappelle, est une fonction qui évolue entre moins 1 et 1. Donc, l'altitude, si je puis dire, l'ordonnée maximale, n'a pas besoin dans votre fenêtre d'affichage d'être très haute. En vérité, ça ne va jamais dépasser moins 1 et 1. Donc, nous allons essayer de faire un dessin. De tracer avec un oméga qui vaut 2, un phi qui vaut moins pi divisé par 4, un nombre de points de 100 points, j'aimerais tracer 100 points, t min, j'aimerais aller de moins 6 pi, de moins 6 pi à 6 pi. Et la couleur, je vais la mettre en rouge. Alors, voici un source Python qui vous permet. Voici. Très bien. Je suis content, aucune erreur. Et je vais vous envoyer l'image qui est obtenue. L'image qui est obtenue, la voici. Alors, on remarque ici zoom. On va zoomer sur cette partie-là, 0, moins pi sur 4. L'origine du repère, il est sur la croix que vous voyez devant vos yeux. La courbe est un peu cassée. Si vous présentez une courbe de ce style, ça n'est pas joli, elle n'est pas très jolie. Ça, c'est parce que j'ai pris 100 points. Je vais donc relancer mon programme en mettant 1000 points.
Si je mets 1000 points dans mon programme, alors ça va être beaucoup plus lissé. Ça va être beaucoup plus lissé. On y va. Run, run. Python, figurine 1. Python, figurine 1, vous voyez ici que c'est beaucoup plus lissé. Voici la courbe, ça devient une courbe d'un cosinus. Et si je fais un zoom sur la zone 0, on observe ici l'origine du repère. Alors qu'est-ce qu'on remarque dans tout ça? Par exemple, si je vous demande, est-ce que vous voyez que la pulsation vaut 2? Qui c'est qui peut me répondre? La pulsation vaut 2 tout simplement parce que entre 0 et 2 pi. Oui, c'est bien. Qui c'est? Oui. De moins 1 à 1. Alors vas-y, continue. Continue ton raisonnement. Continue, continue. Où est-ce que tu vois que la pulsation vaut 2? Non. Non, c'est un peu plus complexe que ça. Je vais vous expliquer, ça va être légèrement difficile. Non, non, le moins, c'est pas ça, la pulsation, ça s'appelle en français l'amplitude. Le décalage qui va de moins 1 à 1, c'est ce qu'on appelle crête à crête. C'est ce qu'on appelle l'offset. Oui, mais c'est très bien, mademoiselle, d'avoir essayé. C'est WE d'abord, je ne sais pas qui. Une seconde. Très bien, Emma, c'est très bien, Emma. C'est très bien ce que tu as fait, c'est très bien. Donc ça, on apprend. Ça s'appelle en français l'offset crête à crête. Ce que tu m'as indiqué, 2, c'est l'offset crête à crête. Crête à crête, ça veut dire de la crête du bas à la crête du haut, comme dans une montagne. Effectivement, tu as raison, tu as parcouru 2. Donc, l'offset crête à crête, ça vaut 2. Tout à fait. Mais j'attirais votre attention sur la notion de pulsation. Pourquoi j'en parle à des BTS opticiens-lunetiers? Parce que justement, vous avez vu les fréquences des couleurs. Vous savez, je rappelle, et je rappelle pas suffisamment assez, les rayons lumineux sont des ondes, en fait. Ça, c'est des rayons lumineux. Et vous savez que chacune des couleurs a une fréquence bien spécifique. Et si chacune des couleurs a une fréquence spécifique, nous avons une relation entre la pulsation oméga et la fréquence, sous la forme que oméga est égal à 2 pi sur f, oméga égale 2 pi sur t, pardon. 2 pi sur t, ça c'est oméga. 2 pi sur la période. Alors justement, on y va ensemble. J'aurais bien aimé que l'on suive. Alors, 2 pi. 2 pi, ça fait 6 et quelques. On se met ici en 0. 0, c'est l'origine du repère. Je reprends. Voici. 0, 0, c'est l'origine du repère. Vous voyez la croix ici. Une oscillation, je vais suivre une oscillation, c'est que je me mets en haut de la vague, je descends et je remonte. Ça s'appelle en français une oscillation, ce truc-là. Une deuxième oscillation jusqu'au deuxième fond de la vague. On s'aperçoit, jeunes gens, que sur l'intervalle 0,
2 pi, 6 et quelques. Mais on s'aperçoit, jeunes gens, que sur l'intervalle 0, 2 pi, 0, 6, 28, il y a eu deux vagues. Cette notion de deux vagues sur l'intervalle 0, 2 pi indique la pulsation, justement. Ça veut dire que si je prends une pulsation, je vais changer la pulsation dans mon source Python, comme vous le... Je vais réduire la photo. Voilà. Je vais réduire la taille de la photo. Et je vais changer la pulsation. Je vais prendre une pulsation de 1. Prends des exemples simples pour l'instant. Une pulsation de 1, ça veut dire quoi? Une pulsation de 1, voici, voici, vous avez à l'écran une pulsation de 1, y compris avec un quadrillage. Si vous travaillez avec le quadrillage, même dans YouTube sur un smartphone, je le fais là, vous observez entre 0 et 6,28. Prenez le quadrillage. Entre 0 et 6,28, vous avez, regardez, on descend, on monte. On va le faire avec la souris et le curseur de telle manière à ce que vous puissiez suivre. On y va, on est là. Boum. Le curseur a disparu. Si vous voyez mon curseur. Ici, vous voyez mon curseur. Donc là, je suis en 0, la courbe, elle est là. Et je dois aller dans une abscisse qui vaut environ 6,28. Ça veut dire une abscisse, voilà 6,28. Et donc, on s'aperçoit que la fonction ne fait qu'une seule oscillation. Ici, nous avons ce qu'on appelle en français la période. La période, je vous rappelle, c'est le temps passé pour reprendre le même motif. La période va être d'une vague à l'autre. On mesure combien depuis le haut de la vague précédente jusqu'au haut de la vague suivante. On mesure en vérité, si vous regardez bien, il y a un carreau de 5. En fait, ça fait 6,28. Nous avons un grand T qui vaut 6,28. Je vous rappelle la formule, c'est oméga égale 2 pi. Oméga égale 2 pi sur grand T. 2 pi sur grand T, donc ça fait 2 pi sur 6,28, ça veut dire 2 pi sur 2 pi, ça fait oméga égale 1. En effet, si vous regardez le source Python, vous voyez que j'ai marqué tracé 1. Juste à côté, ici, vous voyez, sur, il y a marqué 1, j'ai pris une pulsation de 1 dans mon source Python. Donc, lorsque la pulsation est à 1, alors j'observe que il y a une seule onde complète, entre l'instant t égale 0 seconde et l'instant t égale 6,28 secondes. Tout ça pour dire que cosinus oméga t moins phi, la fonction que nous avons programmée dans ce source Python, pour ceux qui ont une machine à calculer, aujourd'hui, certains d'entre vous, peut-être, ils ont des machines à calculer qui programment en Python ou bien des ordinateurs sur lesquels vous pouvez rentrer Python. C'est très bien, Emma, d'avoir essayé. C'est très, très bien. Alors, on a expliqué ce que c'était. C'était le crête à crête. Le 2 que tu arrivais de moins 1 à 1, c'était ce qu'on appelle en français l'offset crête à crête. L'offset crête à crête, ça veut dire le décalage qu'il y a entre le point le plus bas de la courbe et le point le plus haut de la courbe. On appelle ça crête à crête. Crête du bas jusqu'à crête du haut. Combien tu parcours de la crête du bas à la crête du haut? Tu parcours 2, en effet. La leçon de pulsation. La notion de déphasage. Ah, ça va être un peu difficile, s'il vous plaît. Parce que j'ai parlé tout à l'heure du déphasage.
Nous allons vous projeter, si vous voulez. Mais tout ça, ce sont des phénomènes tout à fait standards, hein. C'est pas, je veux dire, je n'invente rien, ni je n'innove, quoi que ce soit. On va prendre deux signaux. Alors attention, ça va être. Attention, mais ça c'est très important, puisque vous avez des figures. Ça joue dans votre métier, je vous dis tout de suite. Ça joue dans votre métier. Alors on va faire un truc simple. On va aller seulement jusqu'à 2π. Comme ça, tout est devant vous. Et l'échelle, elle est humainement. Elle n'est pas trop grande. On va aller entre 0 et 2π. Je prends ici un signal qui est déphasé de moins pi sur 4, donc moins phi moins pi sur 4, et je prends un signal qui n'a pas de déphasage, il est à 0. Donc je sauvegarde, je run, il y en a un que je mets en bleu, l'autre que je mets en rouge. Voilà. Je sauvegarde, je run. Voici. Voici. Alors, on va vous projeter. Ah ben, vous l'avez. Voici. Voici les cours que j'aimerais que vous voyez. On va les commenter ensemble. Donc, si vous lisez ce que j'ai programmé, il y a marqué tracer en rouge un signal entre 0 et 2π de pulsation 1, ça veut dire une seule onde va être dessinée entre 0 et 2π. Est-ce que c'est le cas? Ben oui, on voit en rouge une seule onde, c'est-à-dire qu'elle va reprendre la position initiale à l'abscisse 6,28. De la même façon, vous savez que cosinus de 0, ça fait 1. C'est pour cela, jeunes gens, que ici, tout pile en bleu, on voit que la courbe démarre en le point 0,1. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur la notion de déphasage. Donc, les deux courbes ont la même pulsation, puisque sur l'intervalle 0,2π, je vois. Que ce soit pour la rouge ou que ce soit pour la bleue, je vois une seule onde, un seul motif de ce phénomène ondulatoire. Cependant, la rouge est marquée moins pi sur 4 dans la formule mathématique. Et j'attire votre attention, s'il vous plaît, si c'est moins pi sur 4, ça veut dire que la rouge est en retard. Qui m'explique pourquoi l'on dit que la rouge est en retard par rapport à la bleue. Attention, il y a ici un petit paradoxe que j'aimerais lever, parce que les paradoxes, ça n'existe pas quand on a leur explication. On dit que la rouge est en retard, elle est en retard de pi sur 4. Je vous rappelle que pi sur 4, ça fait 3 14, ça fait à peu près un peu moins que 1. Elle est en retard
de pi sur 4. Ça veut dire quoi? Elle est en retard de pi sur 4. Est-ce que vous la voyez en retard? C'est ça le paradoxe. J'attends les réponses sur le chat. Pourquoi dit-on que la rouge est en retard? Il y a marqué moins pi sur 4 dans la formule mathématique. Oui, mais alors, est-ce que vous avez conscience du retard dans le dessin de cette courbe rouge, s'il vous plaît? Est-ce que vous la voyez en retard par rapport à la bleue? J'attends des réponses, s'il vous plaît. Merci d'intervenir sur le chat. Mais là, il n'y a pas de moins. Si, le moins, il est dans le programme. Le moins, je l'ai enlevé de tout à l'heure. Regarde, mademoiselle. Le moins, si tu regardes bien, je l'ai laissé dans le programme. Je vais te le remontrer ici, voilà. Si tu observes ce que j'ai programmé, il y aura marqué là-bas oméga t moins. Ici, tu le vois, ici, le moins. Ici, tu le vois, le moins. J'ai laissé le moins dans le programme. Donc, c'est bien un retard de pi sur 4. Ça veut dire ça, ce n'est pas une question que je vous pose. Le moins, il a été laissé dans le source Python. Donc, c'est-à-dire tout à l'heure, on avait une avance en vérité. Dans le précédent dessin, on avait une avance. Mais comme il n'y avait pas les deux couleurs, on ne pouvait pas commenter le dessin. Ici, j'ai mis deux couleurs et j'aimerais commenter le dessin avec vous pour vous signaler un paradoxe qui n'en est plus un lorsque on sait de quoi on parle. Donc, moins phi, ça veut dire moins pi sur 4. Raide, ici, vous marquez, vous avez vu que la couleur était raide, rouge. Donc, manifestement, le rouge, manifestement, voilà, je vous remonte ici, voilà, j'ai décalé l'image de telle manière à ce que vous voyez bien que dans le programme, il y a marqué moins. S'il y a marqué moins, en langue française, moins phi, ça s'appelle en retard. Maintenant, la question sur laquelle je vous demande de vous concentrer et de m'apporter une réponse, c'est quelque chose qui est fondamental, y compris pour des opticiens, parce que vous manipulez ce genre de choses à votre insu, et puis ma foi, vous allez voir les figures de diffraction et les choses un petit peu intéressantes où nous avons besoin de savoir quel rayon lumineux est en retard par rapport à quel autre rayon lumineux. Donc, je demande, est-ce que l'on voit à l'écran et comment on le mesure que le rouge est en retard par rapport au bleu? On est toujours en retard par rapport à quelqu'un d'autre, hein, parce que c'est compliqué, surtout sur un phénomène ondulatoire. C'est un peu compliqué, mais enfin, je vous demande quand même de faire un effort, parce que dans un phénomène ondulatoire, qui dit retard, dit avance. Bon, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et pour une onde, puisque le phénomène se répète, puisque le phénomène se répète, elles sont décalées. D'accord. Très bien, alors continue. Allez, Emma, continue. Le décalage indique le retard. Emma, est-ce que tu peux m'énoncer le paradoxe? Quel est le paradoxe que j'aimerais vous montrer? Il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire de retard. Qu'est-ce qui est bizarre, Emma? Elle a l'air devant la... Exactement, c'est ça le paradoxe. Exactement, Emma. C'est exactement ça. Elle a l'air devant. Elle a l'air devant. Bon sang de bonsoir. Bon sang de bonsoir. Tout à fait. Donc on va le réexprimer. Est-ce que tu peux l'histoire du devant, c'est un peu complexe parce que si c'est des signaux qui vont de moins l'infini à plus l'infini, on ne sait pas trop qui c'est qui est devant, qui c'est qui est derrière. Disons que, on va dire comme ça. Pardon. Dans l'image que je vous projette, on va dire qu'elle est décalée vers là, elle est décalée vers la droite ou vers la gauche. Comment tu la vois, Emma, la rouge par rapport à la bleue? Emma, tu la vois comment, la rouge par rapport à la bleue? Tu la vois décalée vers la droite ou vers la gauche? Très bien. La rouge est décalée à droite par rapport à la bleue. Maintenant, c'est l'épreuve du feu.
Il faut se jeter dans le CAE, là, dans le courant, dans le CEA, dans le courant est-australien. Emma et les autres, bien sûr, explique-moi pourquoi, quand tu es décalé vers la droite par rapport à quelqu'un, tu es en retard. Ça, c'est fondamental. Je prends un peu de temps pour vous le montrer. Je t'écoute. Qui comprend que être décalé vers la droite, c'est être en retard? Pourquoi véritablement? Ça devrait être le contraire. Il apparaît plus tôt. Quelqu'un qui apparaît plus tôt, il n'est pas en retard. C'est quoi ce délire-là? Ça, c'est le paradoxe. Maintenant, un paradoxe, il est paradoxe juste pour les gens qui ne comprennent pas. Mais vous qui comprenez, qui c'est qui m'explique? Là, il faut du courage, là, il faut de la perspicacité. C'est un peu difficile, mais bon, c'est la base, des phénomènes périodiques. Et je vous demande de répondre, de chercher, de creuser. Le rouge, il est décalé vers la droite par rapport au bleu, et pourtant, on dit que le rouge est en retard. Je vous ai laissé voir le signe moins, il apparaît encore sur votre écran. Moins phi. Moins pi sur 4. Moins pi sur 4, je veux dire, attendez, c'est une soustraction. Ça veut dire que le temps, il est en arrière. La courbe, elle est en avant, mais le temps, il est en arrière. Si le temps, il est en arrière, on dit en langue française qu'on est en retard. Alors, allez-y, là, maintenant. Allez, Emma, tu es où? Très bien. Alors, est-ce que tu peux me poursuivre la réflexion, s'il te plaît? Ok, mais t'inquiète. T'inquiète. Est-ce que tu peux re-énoncer la question, le paradoxe? Oui, bien sûr, c'est lié, bien sûr. Bien sûr que c'est lié, c'est bien. C'est bien d'avoir pensé au cercle trigonométrique. C'est très bien, c'est très bien. C'est lié, mais bon, comme je n'ai pas dessiné devant vos yeux le cercle trigonométrique, on va essayer de le faire en visuel. Je veux dire, on peut imaginer aussi qu'on joue à la corde à sauter, là, ici, hein. Les ondes, vous les faites avec une corde à sauter entre deux personnes. Là, imaginez, qui c'est qui est en retard? C'est qui est en retard? Alors le retard, bien sûr que c'est la rouge qui est en retard. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est celle qui est vers la droite qui est en retard. C'est celle qui est... Oui? Très bien, super, t'as compris. Super, super, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu positionnes le point le plus haut. Mais le point le plus haut, c'est la courbe bleue qui a le point le plus haut avec une abscisse plus petite. Regardez le point le plus haut. Le point le plus haut, on va essayer de mettre la souris dessus. Le point le plus haut de la courbe bleue, il arrive à quelle heure? Il arrive à l'heure zéro. Tandis que le point le plus haut de la courbe rouge, il arrive à peu près à 0,8, peu importe, ce n'est pas le sujet, mais en tous les cas, il vient plus tard. Il vient plus tard. Donc ça, c'est fondamental de lever ce paradoxe et de bien comprendre que la courbe rouge, bien que étant plus à droite de la courbe bleue, elle est effectivement en retard. Comment je peux le montrer? Eh bien, je mesure les horaires de passage par le point le plus haut. Le point le plus haut pour la bleue se passe à 0 heure, à minuit, tandis que le point le plus haut pour la rouge se passe ici à 0,8. Donc on est bien d'accord
Emma et les autres que la courbe rouge est en retard par rapport à la bleue. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair en traitement de signal, savoir qui c'est qui est en retard? En fait, un décalage vers la droite, le dessin d'une courbe qui est décalée vers la droite, c'est une courbe qui est en retard. À chaque fois que vous décalez vers la droite, ça veut dire qu'elle arrive plus tard. Si vous avez rendez-vous au point le plus haut, ben, la rouge, elle viendra à la station de bus, ben, plus tard, 8 minutes plus tard, à 0,8. Et ainsi de suite. Voilà. Est-ce que c'est clair, Emma et les autres? Très bien. Super. Super. Donc là-dessus, on va poursuivre. Notre fameux tableau de primitive. Et donc, il nous reste. Donc, c'est clair. À chaque fois que vous voyez cosinus oméga t moins phi, vous devez penser à un rayon lumineux d'une part et d'autre part à un signal sinusoïdal avec un certain nombre d'ondes, avec un déphasage, etc., etc. Nous allons poursuivre, alors là, ça va être un peu difficile. Là, je vous préviens. Si vous avez tangente de oméga t moins phi, ou même avant de mettre tangente oméga t moins phi, peut-être mettre tangente x, quoi, tangente t. On appelle t le temps. C'est quoi la primitive de tangente? Alors ça, c'est un peu difficile. Il est clair que la dérivée de tangente, c'est 1 plus tangente carré. Donc, la primitive de 1 plus tangente carré, c'est tangente. Ça, je peux l'écrire à la mode d'un tableau de primitive, qui est le tableau des dérivées à l'envers. Ça ne mange pas de pain. En effet, sachant que la dérivée de tangente, c'est 1 plus tangente carré, ben, ça veut dire tout simplement que la primitive de 1 plus tangente carré, c'est tangente. Ça ne mange pas de pain. Mais ce n'est pas cette ligne qui m'intéresse, c'est la ligne qui précède. La ligne qui précède ne peut pas se faire simplement. Mais n'en demeure pas moins que c'est une fonction de terminale, c'est une fonction de lycéen. Alors, il faut passer par la définition de la tangente qui vaut sinus t divisé par cos t. La tangente, c'est sinus t divisé par cos t. Alors si on remarque bien, on remarque que ça, c'est un U' sur U quelque part, ça va être ln de U. Ça va être moins ln de cos t. Moins ln de cos t plus k. Pourquoi? Pourquoi? On va l'écrire en vert. Pourquoi? Parce que je vous rappelle, jeunes gens, on note en code couleur vert tous les petits tableaux que l'on utilise de manière intermédiaire pour résoudre les exercices. Nous avons vu que lnx a pour dérivée 1 sur x, ça on le sait. Mais nous avons vu aussi que ln de u a pour dérivée u' sur u. Ça, c'est dans la leçon sur le ln. On répète, nous avons vu que ln de x a pour dérivée 1 sur x,
Et nous avons vu que ln de u a pour dérivé u' sur u. Alors regardez bien. Si u, ça vaut cos. Si u, ça vaut cos. À ce moment-là, u' va valoir moins sinus t. Ça, c'est un schéma. Si je mets un signe moins devant, c'est exactement ce qu'on me demande, puisque moins moins sin, ça fera plus sin, et ça fera plus sin sur cos, et plus sin sur cos, ça fait bien tangente. Donc devant vos yeux, sur la colonne de droite, j'ai tangente. Ben, si dans la colonne, j'ai ajouté le moins par contre, hein. J'ai ajouté le moins, et donc ici, je dois le mettre ici. Donc si dans la colonne de droite, ici, ceci n'est rien d'autre, jeunes gens, que tangente. En effet, tangenté, ça vaut sinus sur cosinus, moins moins sin, ça fait sinus, donc ce que j'ai ici, c'est tangente, si bien que ce que j'aurai là, ça veut dire dans le tableau des dérivés lu à l'envers, je vous rappelle, dans le tableau des dérivés lu à l'envers, je n'ai rien d'autre que la primitive de tangente, c'est ça la définition d'une primitive. Et donc, ça devient... Alors, c'est qui U ? U, c'est cos. Et donc, ça devient une nouvelle primitive qui est non triviale. Ça veut dire il y a quand même des choses qui sont nouvelles par rapport à la classe de terminal. Cette primitive, à l'instar de la primitive de ln de x qui vaut x, ln x moins x, ben, cette primitive est une nouvelle primitive, a priori, que vous n'avez pas vue en classe de terminal, si je ne m'abuse. Donc nous avons ici quand même un tableau de primitives qui commence à prendre de l'ampleur. Et ici nous avons une nouvelle primitive d'une fonction standard. C'est ça le pire, c'est que tangente n'est pas une fonction exotique. Tangente n'est pas une fonction exotique, tangente est une fonction tout à fait standard, mais à partir de maintenant... Non seulement, bien sûr, on savait la dérivée, ça faisait 1 plus tangente carrée, mais à partir de maintenant, on sait la primitiver, et ça donne moins ln de cos t plus k en première lecture. Bien sûr, je rappelle, et vous avez la flèche qui est là, je rappelle que vous pouvez vérifier votre tableau de primitives en faisant la marche arrière, hein, ça on en a déjà parlé. Si vous faites la marche arrière, ça veut dire quoi la marche arrière? C'est-à-dire que si vous dérivez la colonne de droite du tableau des primitives, et bien sûr, comme je disais, ça sous-entend que vous savez bien dériver, ben vous retrouvez vos petits. Vous retrouvez vos petits, c'est-à-dire vous retrouvez l'énoncé. Et donc c'est ça véritablement la notion de primitive. Alors, c'est un peu complexe. Nous allons laisser du blanc. Je vais peut-être vous donner encore quelques fonctions. On va peut-être faire ça en exercice. Et on remplira ce blanc. Donc, vous laissez du blanc, s'il vous plaît. Je demande qu'on laisse du blanc dans ces tableaux. Ces tableaux de dérivés, ces tableaux de primitives se complètent au fur et à mesure que vous découvrez des nouvelles fonctions. Donc, on va laisser du blanc sur ce tableau de dérivés, sur ce tableau de primitives. Et on remplira les nouvelles fonctions au fur et à mesure qu'on les voit. Là, je pense qu'on a épuisé. On a passé en revue les polynômes, les cosines, machin, les exponentielles, les logs la semaine dernière, les cos, les sines, les tan. Donc là, on a quand même balayé la plupart. On a quand même balayé la plupart des fonctions standards. Alors, peut-être allons-nous faire en exercice ce qu'on appelle en français de la trigonométrie hyperbolique. De la trigonométrie
hyperbolique. En tous les cas, on va démarrer. De toutes les manières, pour ceux qui ont manipulé leur machine à calculer, à un moment donné, lorsque vous demandez que sur certaines machines, il y a marqué IP, il y a marqué IP, Y, HYP. Donc quelque part, c'est pour utiliser des choses qui existent déjà sur votre calculatrice qui s'appelle le cosinus, le cos H. Donc le cos HX, autrement noté en mathématiques, le CHX, vous avez le sin H, donc ça c'est la notation Texas Instruments. Il faut que vous ouvriez vos machines. En mathématiques, on le note selon la deuxième colonne. La vraie notation c'est SHX. Donc vous avez le CHX, le cosinus hyperbolique, et vous avez le SHX. Le SHX, c'est le sinus hyperbolique. Et comme d'habitude, vous avez la tanH sur les machines à calculer, elle est appelée tanH ou bien TH, la THX. La THX. La tangente hyperbolique. Donc ce sont trois nouvelles fonctions. Peut-être que certains les ont déjà vues dans les classes antérieures ou dans les institutions de formation post-bac. Nous avons ici à travailler sur la trigonométrie hyperbolique avec trois nouvelles fonctions qui sont, comme vous le voyez sous les yeux, la fonction CHX, la fonction SHX et la fonction THX. Alors, par définition, le CHX est égal à E de X plus E de moins X divisé par 2. Le SHX est égal à E de X moins E de moins X divisé par 2. Et la tanH, la tangente hyperbolique, à l'instar de la tangente standard, est égale au sinus divisé par le cosinus. Donc ça, ce sont des définitions. C'est-à-dire que, en vérité, ce n'est rien d'autre qu'une composition de fonctions exponentielles. Les fonctions exponentielles ont été étudié en long, en large et en travers. Et donc, finalement, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est qu'on fait des mélanges, on fait des mélanges, des combinaisons des fonctions exponentielles et on trouve ces fameuses nouvelles fonctions qui sont le CHX, le SHX et la THX. Alors, ce que je vais vous demander, tout simplement, en exercice, et on s'arrêtera là pour aujourd'hui, c'est que on va calculer CH', la dérivée de CH, calculer SH', la dérivée de SH, et enfin, calculer la TH', la dérivée de la tangente hyperbolique. Donc nous avons une première question qui est de calculer la dérivée de ces trois nouvelles fonctions. Puisque lorsque nous avons des nouvelles fonctions, attention, ça ne va pas être les seules nouvelles fonctions que l'on va voir. Il y a plusieurs nouvelles fonctions qu'il faut connaître. Et de toutes les manières, elles existent sur votre machine à calculer. J'aurais bien aimé que vous preniez votre Texas Instruments et que vous, comment dirais-je, vous cherchiez là-bas le CH, le cos H. Il peut se noter dans les Texas, il peut se noter COSH ou bien CH. Ensuite,
Ensuite, alors, il faut répondre, avant tout, il faut répondre à la question. Et nous allons démarrer la réponse à la question, quelle est la dérivée de CH? Quelle est la dérivée de CH? Alors, on écrit dérivée de CH comme ceci. On a vu tout à l'heure que le CH, ce n'est rien d'autre que E de x plus E de moins x sur 2. Et donc, il faut que l'on dérive cette expression. Pour dériver cette expression, on utilise tout ce qu'on a vu sur la dérivée de l'exponentielle. On sait que la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même. Et on sait que E de U, le tout prime, on va mettre en vert comme d'habitude. Il faut vraiment que vous compreniez que plus vous avez des réflexes conditionnés, et plus ce sera facile. On avait dit que E de AX plus B, ça fait A, E de AX plus B. Oui, il n'y a pas de problème. De toute façon, il nous reste que quelques instants, 6 minutes. Moins, donc attention au A en facteur. Attention au A en facteur. Au revoir, jeune homme. Attention au A en facteur, ça veut dire le A ici, il vaut moins 1. Il y a moins 1 en facteur. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque un phénomène assez sympathique. C'est qu'en vérité, si vous regardez la formule que vous avez écrite juste il y a 5 minutes, on remarque que le CH', ça vaut rien d'autre que le SH. Donc la dérivée du cos, c'est le sine en hyperbolique. Et attention, à la différence des fonctions trigonométriques que vous avez vues en classe de terminale, il n'y a pas de signe moins ici. Dans le même esprit, jeunes gens, on va terminer. Il faut dériver SH. Il faut dériver SH. Donc, on récupère l'expression de SH que voici et on la dérive. La dérivée de E de x, c'est E de x. La dérivée de E de moins x, c'est moins E de moins x. Et donc, ça fait moins moins. Moins moins, comme vous le savez, ça fait plus. Moins moins, ça fait plus. Et vous obtenez E de x plus E de moins x divisé par 2. Et bien sûr, vous reconnaissez. Donc les fonctions hyperboliques, contrairement à ce qu'on pense, elles sont très sympathiques. Puisque il n'y a pas de signe moins pour nous embêter. La dérivée de CH, c'est SH. Et la dérivée de SH, c'est CH. Elles vont s'échanger l'une avec l'autre. Oui. Donc ça, ce sont deux nouvelles fonctions qui finalement font moins peur qu'il n'y paraît, puisque l'une se marie avec l'autre, l'une est la dérivée de l'autre, et donc la dérivée, on le renote, s'il vous plaît, et ça vous permet de compléter votre formulaire de dérivée. La dérivée de CH, ça fait SH. La dérivée de SH, ça fait CH. Voilà, nous allons nous arrêter exceptionnellement à l'instant. Je vais juste vous demander de calculer la dérivée de TH. La dérivée de TH, je vous rappelle, à la mode de chez nous, bien sûr, ça veut dire que on donne la définition de TH en disant que c'est SH divisé par CH, le tout prime, et donc vous allez dériver ceci sous la forme de U sur V. Je vous donne en vert, comme d'habitude, je vous donne en vert, comme d'habitude, les formules que vous devez utiliser, à savoir que U sur V, le tout prime, avec U valant SH, et V valant CH, ça va faire U prime V moins U V prime
divisé par V2. Voilà, je vous demanderai de substituer U par SH, V par CH, et de poursuivre ce calcul pour la semaine prochaine. Et je vous souhaite une bonne continuation. Et à la semaine prochaine. Au revoir à tous et merci de votre présence. Merci, Emma, à toi aussi. Au revoir, Ifa. Au revoir, Chloé Mach. Thank you.